Une poupette, mon fin de journée, là, ça y est. Demain, c'est moi, je me réveille. C'est moi, je donne le petit déj à mes enfants. C'est moi. Là, je culpabilise. Oh, je ne les ai pas vus aujourd'hui. Je ne les ai pas trop vus hier. Là, c'est trop pour moi, là. Carrément, je ne les ai pas vus de la journée. Et je ne les ai même pas vus se coucher. C'est dur, hein. C'est trop dur, hein, les poupettes. Là, demain, on est vendredi. Ça donne encore un week-end. Samedi, dimanche. Dimanche, à l'anniversaire de sa copine de classe. Lundi, c'est l'anniversaire à mon fils. Ça et moi, je vais pleurer lundi, je vous préviens tout de suite. Lundi, c'est l'anniversaire à un an après, mon ballon. Quel jeune de tout mon cœur, ma vie. Allez, pour tous les assos. Ça. Je vais mettre des gouttières pour la nuit. Ah, j'ai pas la tête, trop con. J'ai pas la tête. Et dormir, mes poupettes. J'aime pas dormir les cheveux mouillés, je vous jure. Parce que ça me les assèche. Je les respire un peu. Hop. Brossage de Chico. Tu manges avec moi. Ouais. Mmh. Tu en veux, c'est pas grave. Tu en veux encore. Ouais. Maman. Arrête avec ça, Calice. C'est pas ta place. Ouais. Encore toi. Faites un câlin. Oh, maman, qui vous aime, vous m'avez trop manqué. Oh, je vous aime, mes amours. Maman, t'étais où tout à l'heure? Hier. Yeah. Yeah. Je vais à la piscine avec les enfants. Peut-être on va profiter un peu. Vous avez dit aujourd'hui, je vais profiter avec eux. Je sais pas ce que je vais leur faire encore après. Peut-être on va les emmener dans un parc d'attractions, je sais pas. Mais là, aujourd'hui, c'est que pour eux. Demain, j'irai acheter des cadeaux pour mon fils. Et préparer un peu les décos et tout. Je vais acheter des petits ballons et tout. Je vais faire la déco moi-même. Et dimanche, c'est Anna l'anniversaire. Calice, son anniversaire, c'est lundi. Et après, bah, le projet il suit, c'est la semaine prochaine. Hein. Oh, et c'est bon. Je leur ai fait des petits sandwichs, mes poupettes. Mayo ketchup et poulet. Ils ont commandé ça hier pour manger hier soir, quand j'étais pas là. Ce soir, je fais un bon repas. Là, c'est pique-nique. Mon air fryer, il est là, il attend que d'être utilisé. Hop, on va à la piscine. Comme ça, on va manger à la piscine. T'as dit quoi, on va à la piscine, les poupettes? Oui. Oui. T'es contente? Oui. Maman, t'as promis qu'elle allait profiter avec toi, mon amour. Ah, t'as promis, maman. Les promesses, c'est un port. Ah. Oui. À part. J'ai. Et voilà. 5 sandwichs. Un pour moi. Enfin, 2 pour maman. 1 pour Céana, 1 pour Calice. Ah, mes poupettes, ça fait du bien. Avec mes enfants. Petit pique-nique, petite piscine grave pour nous, il n'y a personne. Il va y avoir 2-3 personnes là-bas. Waouh! Trop bien. Moi, je propose qu'on prenne les places là-bas, les enfants. Avec notre petit pique-nique, on va s'installer. Attention, hein! Qu'est-ce que j'aime les orques, mes poupettes? Qu'est-ce qui me fascine, les orques? Vas-y, va sous l'eau, mon amour. Mets ta tête sous l'eau. Mets ta tête sous l'eau avec tes cheveux là. Qu'est-ce que ça me fascine, les orques, mes poupettes? Qu'est-ce que je regarde tout le temps des documentaires sur eux? Je les aime. Ils sont trop intelligents, je les aime trop. Ouais. De l'eau, qui veut de l'eau? Moi. Tu veux manger maintenant? Qui veut un sandwich au poulet? Moi. À moi. À toi? Moi. Mmh, regarde le sandwich que maman l'a préparé. Un sandwich pour Céana. Un sandwich pour Céana. Non. Un sandwich pour maman. T'as le sandwich? Non. Tu veux pas? Non. Tu veux quoi? Tu sais. Il y a un sandwich pour Céana. Tu sais.
Des fruits. Lundi c'est l'anniversaire hein. Salut. Il aura quel âge là? Des chips. Ah moi ça me dépoute. Allez tiens, tu peux tenir, c'est bon, ça parle. Et te voilà. T'as du soleil. Attends, là, du soleil, je vois pas combien. Mais pas un nombre alors. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles aux poufettes? Non. Ah si. Non. Les poufettes? Les poufettes? Tu sais, mon papa, il a dit non que je parlais. Oui? Mais vous parlez. Vous parlez. Non. Ah voilà, je l'ai dit, je l'ai dit. Ah. Ils vont me dire oui, ils vont me dire oui. Ils vont te dire oui? Tu bouges trop le téléphone, ma vie. Elles vont avoir mal à la tête si tu bouges trop le téléphone. Tu veux leur raconter quoi là? Tu vas faire quoi ce week-end? Je vais faire. T'as invité un anniversaire? Bah raconte-leur que t'as invité un anniversaire. Non. Bah dis-leur. C'est un secret. Ah ok. Pour Mélina. Ok. C'est son secret. Ok. Aujourd'hui, l'amoureux des femmes, les filles. Il y a cette dame là depuis tout à l'heure. Je sais pas, elle a eu un coup de cœur sur ses Anna et Calice depuis tout à l'heure. Elle veut jouer avec eux et tout. Et lui là, ce petit gamin là, au lieu de. D'être là, d'être gentil avec elle et tout, il fait que la rosée avec son pistolet. Regardez, elle les aime trop, elle leur court derrière, je sais pas ce que. Je sais pas, elle. Je sais pas, wallah. Quand je vois des femmes comme ça, mes poupettes, je me dis. Ça, en fait, d'un côté, je me dis. On connaît pas l'histoire de cette femme, ça se trouve, Miskina, elle a jamais réussi à avoir d'enfants. Vous savez, être comme ça. Du coup, moi, ça me touche trop, je laisse mes enfants aller vers les gens et tout, c'est important pour moi. Le contact humain, procurer du plaisir aux gens, tu la vois, elle est trop contente quand les petits viennent vers elle et tout, franchement. Bref. On passe un magnifique moment. Aujourd'hui, il n'y a rien qui va me gâcher ma journée. Enfin, je l'espère. C'est quoi à tout le monde, c'est un monstre. Regardez-le. Arrête. Regardez-le. Il comprend pas le mot. Arrête, il comprend pas le mot, non. Il comprend ni mon arrête ni non. Terrible tout, regardez. Regardez. Arrête! Ma loulou, on l'aime à la folie, mon petit bébé. Il va avoir 2 ans, lundi mon bébé. C'est son anniversaire, mon petit bébé. Les poupettes, on a passé une super, super, super matinée à la piscine. C'était hyper reposant, franchement, ça fait trop du bien. On a profité avec les enfants, c'est trop bien. Calice est rentré à la sieste, il a fait caca partout. Il a empesté les serviettes, c'est horrible, j'ai des remontées d'odeur. Toi aussi tu fais la sieste ma fille? Non. Je sais pas ce que je vais leur faire ce soir, j'ai envie de les sortir. J'ai dit c'est ma journée avec eux aujourd'hui. Donc hier j'ai pas profité avec eux, je sais pas où je vais les emmener. Même là, il était 13h, j'ai envie qu'on sorte, j'ai envie qu'on fasse des choses, je sais pas, je suis trop bien dans ma tête. J'ai mis cette petite robe, mes poupettes, elle est magnifique. J'aime trop. J'ai envie d'aller boire un petit verre là. Je sais pas, je suis trop excitée, je suis trop de bonne humeur. Je sais pas ce que j'ai. Oh là là, j'aime trop. Bon, je sais pas ce que je vais faire comme coiffure, on verra. Je suis en train de me préparer un peu et après, je me fais une petite beauté. Hop, après la piscine, après avoir fait sa petite douche. Bon, quand j'ai la flemme de lisser tous mes cheveux, je fais les 2 mèches devant, j'attache les cheveux derrière. Et du coup, je casse misère, je les laisse lâcher. Et voilà. Et là, pour une fois, vu que vous m'avez dit l'autre fois, ma chérie, mets un peu plus de peps à tes lèvres. C'est vrai que ça me va bien. C'est quelle référence là? Il s'appelle le Shiny, la Parisienka. C'est joli. Je remets un peu de blush. Moi, les filles, vous me disent que j'en mets trop, mais moi, j'aime trop. Là, j'aurais bien mis une bonne petite parure de bijoux Amber M, là, des belles boucles d'oreilles et tout. Et voilà.
T'as encore faim? Oui. Et c'est et dans cette famille, tu peux... les filles, tu prends ton petit festin, tu prends ton plateau, tu viens. Et tu manges. Tu viens pour t'installer tranquille, tu dis les petits dorment, c'est Anna, elle est avec ses framboises et tout, mais non. Ils viennent, ils veulent manger tes crocs. Même le chat, il vient, il veut tes crocs. Moi, ça me saoule parce que ça me gâche mon moment. Hein. Chaque fois, je dois leur moi donner. Moi aussi, ça me gâche mon moment. Quoi, tu veux ça, toi? T'aimes bien les biscottes? T'aimes bien les biscottes, mon bébé? T'as mangé, là? Maman, t'as donné le pinceau. Tu manges? Tu manges? Moi, j'aime trop les biscottes. Tu manges? Tiens, goûte, mais tu vas pas aimer. Hein. Tiens, goûte. Sans, t'aimes pas? Attends, je mets du beurre dedans. J'aime trop ça. Voilà, toute la famille autour de moi. Toute la famille, j'aime. Quand j'étais petite... Là, j'ai un coup de barre après la piscine. Vas-y, dis-nous. Quand j'étais petite, on me faisait toujours ça. Bah oublie. Mes poupettes, je suis en train de choisir ma tenue pour l'anniversaire à Calice, là. J'ai reçu cette robe de chez Parisienne K, j'hésite en fait. Je me dis, je suis en train de vous tourner un magnifique haul. Je me dis, est-ce que ça fait trop pour le parc, ça? Vu que l'anniversaire se déroulera au parc, je sais pas. Mes poupettes, je vous la montre de face parce que comme ça on voit mieux la couleur, regardez. Attendez, j'ouvre mes rideaux parce que là c'est n'importe quoi. Et j'aime bien ce nouvel endroit là. Attendez, j'ouvre mes rideaux. Voilà, comme ça. Regardez comme elle est trop belle. Très 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 canon. Magnifique. Elle est centrée à la taille comme ça, elle est trop belle. J'aime trop. Ensuite, j'ai pris cette petite robe, je sais que je suis très belle, je le sais, ça sert à rien de me le dire. Je voulais mettre ça pour l'anniversaire à Cali, c'est une poupette, mais je sais pas si ça fait trop au parc. Dites-moi, en fait, c'est une petite robe comme ça, oui, les fiches pas épilées, avec une petite fleur ici, là, tendance. Elle est trop belle, je voulais mettre ça pour l'anniversaire à Cali, mais je sais pas si ça fait trop au parc. La robe, elle est magnifique, les filles. Regardez. Regardez comme elle est trop belle, les filles, avec les froufrous. Est-ce que vous voyez les petits détails des froufrous? Je m'approche un peu, voilà, ça fait comme ça. Genre, vous savez, ça fait... Je sais pas comment vous expliquer, genre... espagnole, danseuse et tout. Trop belle. Je sais que je suis encore trop belle, ça sert à rien de me le dire. Ça, c'est le genre de tenue typique qui me va parfaitement. Petit. Ah, j'aime trop mes poupettes. Ça, là, c'est moi. Je vous descends un peu, vous allez voir. Ça, c'est moi. Ça, c'est 100% moi. Pas de chichi, simple. Petite paire de talons. Regardez le petit haut crochet, pareil, Parisienne K. Magnifique, les filles. Oh, là, vous dites quoi? Elle est très belle, cette femme. Là, je sais que c'est ça que vous vous dites là. Vous vous dites, cette femme, elle est très belle. Là, il faut faire quelque chose. Il faut arriver à son niveau. Non, je rigole. Magnifique, les filles, ou pas? Regardez comme c'est sublime, la tenue, les filles. C'est un petit en crochet comme ça, jaune.
ils l'ont en plein de couleurs. La collection, là, les filles, c'est du high level. Donc, c'est un petit haut. Moi, je l'ai mis avec une petite jupe comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Pareil, magnifique. La même cuillère en blanche, les filles. Petit talon, trop classe, sublime. Donc, cette cuillère est du beige. Elle est blanche. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Trop belle, ces robes. C'est toute ma vie. Je trouve que c'est les tenues qui me vont le mieux, mes poupettes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais tu vois, quand je me pose comme ça, tout le monde me demande mon 06. Il n'y en a pas un qui me demande pas mon 06. Trop jolie, les filles. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas le corps hein, de fou. Hein. Genre moi j'ai des high jeeps là, vous savez comment on appelle ça là. La blanche et la beige elles sont très très légèrement transparentes. Donc faut mettre un short en dessous, je préfère vous prévenir. Il y a d'autres couleurs, je vais vous montrer, elles sont trop belles. La magnifique même robe en verte, les filles. Elle est en vert pétante comme ça aussi, magnifique. C'est vraiment les robes qui me vont mieux, en fait. En fait, moi, j'ai compris, mais poupettes, vu que je fais 1m50, il me faut des robes qui m'arrivent pas tout en bas, sinon ça fait mendiante. Ou il me faut des robes qui m'arrivent, voilà, mi-mollet. Je trouve que ça fait élégant. Moulante, parce que franchement, faut dire ce qui est, j'ai un très beau corps, voilà. Et non, en gros, vous m'avez compris, mais poupettes, genre moulante. Et col V, comme ça, ça m'étouffe pas. Là, ça fait élégant. En fait, je pensais que je savais pas m'habiller. C'est juste que je sais m'habiller peut-être. C'est juste que je mets pas des choses à ma morphologie, mes poupettes. Genre, je suis sûre que si je mettrais des trucs qui me mettent en valeur, je serais super belle. Mais ouais. Et dites-vous, là, le vert, il ressort pas du tout comme en vrai, les filles. En vrai, c'est un vert tellement flash. Mais même comme ça, elle est trop belle, je vous jure, magnifique. Mais le vert, il est très très flash, en vrai, attention. J'ai pris cette robe, je savais qu'elle allait être trop belle, les filles. Pareil, regardez. Longue et tout, trop belle. Magnifique. Je vous descends un petit peu la caméra pour vous voir la longueur. Là, j'ai mis des talons. Voilà. Elle m'arrive pile au talon. Regardez, hop, elle est trop belle. Vert kaki, avec des petites manches bouffantes comme ça. Elle est magnifique. Très élégante. Très femme d'affaires. Très molle de Dubaï. Elle est comme ça, les filles, en vert kaki. Elle est magnifique. Trop élégante. Elle est en plein de couleurs aussi, mais vert kaki là comme ça, elle est sublime. La collection là, c'est quelque chose. Je l'ai pris aussi en noir, les filles, la magnifique robe comme ça. Trop belle, magnifique. C'est bon les filles, je vous ai fait le tour, ces robes là, même la qualité les filles. Elle est incroyable, je sais pas comment vous expliquer, c'est trop trop belle. Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Une moto. Une moto? Ouais. Quoi d'autre? Plein, plein, plein. Plein, plein, plein? Ouais. Plein de motos? Pas, mais... Tu vas rouler comment avec la moto? Je t'adorais, tu me dis que t'aimes. Hein? Tu restes ici alors? Ah ouais, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Hein. Ah ouais. C'est l'autre.
mais on est très bien ici. On est à l'ombre, on est à l'extérieur, on va se prendre un petit verre. En plus, et t'as le droit de boire ce que tu veux. T'as le droit de prendre tout ce que tu veux. Ça veut dire, ça peut être tout ce que tu veux. Une boisson, un juice. Allez, viens t'asseoir avec une maman. Vite, viens choisir. Viens, t'as ta carte aussi. Ce qu'on ferait pas pour qu'ils ferment leur clapet. Allez, tiens. T'as ta carte. T'as le droit de choisir tout ce que tu veux. Calice aussi. Aujourd'hui, c'est all inclusive. Train perdu et tout. Un yaourt. Tout donne envie. Tout donne envie. Je sais pas quoi prendre. Pas prendre de salé parce qu'on a déjà mangé. Maman. Oui, ma vie. Oui, mon amour. Maman. Oui. Maman, regarde. Waouh. Waouh. Ça va, maman. Maman a filmé. Non, vas-y, laisse-les servir, c'est trop marrant. Vas-y. Vas-y. Servez-vous, vas-y. Regardez. C'est notre vie qu'on mène, la vie. La vie que nous menons. Voilà. Bismillah. Que tous les fruits des plantes. Papa, je dis bismillah. Regarde, c'est magnifique, c'est bien. Il y en avait quatre. Pourquoi t'as voulu prendre la dernière? Tiens, tu veux prendre la dernière? J'ai lu quoi? Bah oui. Attends, regarde, c'est magique, regarde. C'est magique, regarde, tu vois. Normalement, c'est magique. Wow. C'est bon, t'as ton jus, t'avais soif? Il avait trop soif. C'est bon, ma fille? Il est bon? Mais Poupette, vous trouvez pas que mon contenu, il est genre mille fois plus sain, genre? Vous trouvez pas que c'est plus respirant? Vous trouvez pas? Je trouve que Insta, le fait qu'ils m'ont limité à 100, bah je poste ce que je dois poster, en fait. Parce que quand c'était 600, quand c'était illimité et que j'en mettais 600, bah je mettais trop de stories inutiles. Le soir, des fois, quand je regardais, je disais, ouais, j'ai mis ça 15 fois, j'ai mis mon poulet aux olives 10 fois, là, je peux mettre une fois. La page recette, je peux la mettre une fois avec les explications. Voilà. Mais pour être là, je rentre à la maison, je fais un bon repas. J'ai envie de crevettes. Alors, j'hésite à faire des petits feuilletés, poivrons, crevettes et tout. Ou bien faire une bonne sauce aux crevettes et tout avec du riz. Pour les enfants et moi, j'ai trop envie de ça. J'ai des crevettes à la maison, des crevettes congelées, mais ça fera l'affaire quand même. Et après, quoi d'autre? Ça, depuis que j'ai ma nappe, là, je vais faire que des repas. Là, je suis en train de penser, je me dis, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mon air fryer, là. Faut que je l'utilise ce soir. Mais je sais pas dans quoi. Parce que là, la sauce des crevettes, je la mets dans la poêle. Le riz, bah, dans la casserole. C'est pour ça que je voulais faire des feuilletés, genre tester les petites feuilles. Petits feuilletés et tout, mais je sais pas à quoi les faire, ça sert à rien, les filles. Je crois que je vais faire des crevettes. Ou je fais des feuilletés aux crevettes. Je sais pas si les petits vont manger ça. Ou des pizzas, je peux tester des pizzas. Bon, je peux tester plein de choses. Là, il est 19h, là, je vais rentrer cuisiner. Allez, fille, d'un coup. Ah, j'ai mal. J'ai envoyé Alan me chercher une crème, j'ai mal, les filles. J'ai trop mal, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Commencez pas à parler d'hygiène ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Je crois que je supporte plus les culottes en antenne. Quoi? Je te fais ton repas, mon homme, je te fais ton repas. Là, je vais être désagréable. Je vais être très désagréable, mes poupettes. C'est quoi? Regardez. Comment tu veux pas être amoureuse? Viens, d'un homme comme ça qui te donne la boîte de médicaments. C'est pour qui? Oh, mais toi, viens, je m'arrête, toi. Viens. C'est avec toi que je veux manger dans ma vie, c'est toi. C'est toi que je veux. C'est toi qui as 2 ans. C'est toi qui as 2 ans? Oui. Oh, non. Tu veux quoi pour tes 2 ans, pour ton anniversaire? Tout. Tout? Une moto?
moto. Oh, mon moto. Je vais t'acheter ton moto. Je vais l'acheter. Les enfants, ils sont toujours avec moi quand je cuisine, les filles. C'est qui mon amoureux? Moi. Et c'est Anna aussi? Oui, c'est Anna aussi. Je fais une bonne sauce, j'espère que ça va être bon. Une bonne soupe? Non, une sauce même. C'est quoi une soupe? Une sauce. Par contre, c'est fou comme les douleurs sont dans le cerveau, mes poupettes. Et au parc, j'avais rien du tout, ok? Après, quand je rentre, je vais aux toilettes, je me dis... Et c'est pas normal, parce que ce qui est trop bien, moi, chez moi, après, je pense que c'est d'autres poupettes, mais à mon âge, à 23 ans, je connais trop bien mon corps. Genre, je dirais que je sais quand je vais être malade, quoi. Direct. Et là, quand je vais aux toilettes, je me dis, eh, c'est pas normal. Et quand je me suis mis en tête, oui, ma vie, quand je me suis mis en tête ça, que j'avais ça, bon, ça y est, tout s'est déclenché, les douleurs et tout. Les brûlures, la totale. Bah, I want to go down. You want to go down? Il est là, ah, c'est brûlé with onion, Maria. Onion. Oh my god. Bon, en fait, une petite sauce. Poivron, crevettes. Hop. Après, je vais mettre la bonne sauce tomate. J'ai mis les crevettes maintenant parce qu'elles sont congelées. Donc, en vrai, le temps de cuisson des poivrons, le temps qu'elles décongèlent et qu'elles cuisent un peu, même si ça va être bon. C'est qui va se régaler? Moi. T'aimes bien les crevettes? Oui. T'aimes bien les poivrons? Oui. Les oignons? Oui. Les légumes? Oui. Les légumes, t'aimes bien? Oui. T'aimes bien ou t'aimes pas? Oui. Voilà. Faut que tu dises la vérité. T'aimes bien la sauce? Oui. T'aimes bien les pâtes? Oui. Les frites? Oui. Non, tu mens. Toute ma vie, je t'aime. La t'aime, maman. T'es la plus belle. Et la plus belle. Et c'est la meilleure. La meilleure. Pour toute la vie. Allez. Je te fais un gros bisou, maman. Maman, peut-être. Maman, peut-être. Bien. Maman, peut-être. Oui, je sais. Mon bébé, maman, t'es cool. Je t'aime trop, maman. De toute la vie, du meilleur maman que j'ai jamais vu, c'est maman. Que j'ai jamais vu, c'est maman qui cuisine bien toute la journée.